Bonjour à tous, les signes de Gémeaux. Votre tirage pour le mois d'octobre. Alors, je passe les Gémeaux pour vous. J'ai utilisé l'oracle de Mademoiselle de Lormont, c'est l'oracle de. Je ne sais pas si c'est un nom, mais c'est l'oracle de Mademoiselle de Lormont. J'ai utilisé pour tous les domaines, ça va parler plusieurs domaines, plusieurs situations. Prenez qu'est-ce qu'il parle pour vous. Si elle parle pas tout, prenez une situation. Pour vous, ça parle général, soit sentimental, professionnel, la énergétique, ça dépend votre situation. Et pour moi, j'ai déjà tiré les cartes pour pas faire long. Mais je commence avec les Gémeaux, les signes de Gémeaux, votre tirage. Alors, votre tirage. Alors, votre tirage, ça parle quelque chose que vous êtes enlevé, peut-être trouver une solution par un contrat de travail. Un contrat de travail, si vous êtes dans la difficulté, beaucoup de stress, vous êtes perdu dans cette situation. Pour moi, les contrats de travail. Si vous êtes une personne qui a besoin d'un changement professionnel ou un changement, peut-être une stabilité, quelque chose encore secret, peut-être vous avez besoin de prendre les décisions. Vous êtes réfléchir quelle direction que vous devez prendre. Vous êtes beaucoup le stress et par cette contrat de travail. Et c'est une chance pour vous, un nouvel contrat de travail, une solution, une signature, un nouvel contrat, excusez-moi. Un nouvel contrat, une solution, vous sortez un blocage, vous sortez un difficile à choisir une nouvelle direction professionnelle. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, vous êtes perdu dans cette situation. Besoin peut-être trouver les solutions par une chance, un nouvel contrat de travail. Alors, deuxième, qu'est-ce qu'il parle? Il parle, vous êtes un petit peu triste, soit quelque chose, vous êtes triste à cause de quelque chose de familial. Beaucoup de temps, vous êtes gardé les choses que vous n'êtes pas exprimées. Vous cherchez, trouver une solution, soit dans le couple, soit la famille. Il y a beaucoup de tristesse, besoin peut-être faire les deuils, quelque chose de familial. Si vous êtes perdu quelqu'un, ou soit vous êtes peut-être triste à cause des relations avec la famille, ou soit si vous êtes un homme et vous êtes beaucoup triste à cause de la famille, à cause de quelque chose qui doit faire les deuils. Pour moi, c'est la souffrance que vous sentez dans le silence, beaucoup de temps que vous êtes angoissé. Vous trouvez votre liberté, soit vous êtes célibataire et que vous êtes triste parce que vous êtes seul. Il y a la solitude ici, les Gémeaux, c'est votre carte, ça sortir. Les conseils, c'est la solitude. Si vous êtes beaucoup longtemps seul, que vous êtes beaucoup l'angoisse, rester seul, ou soit vous êtes chercher quelqu'un que vous n'êtes pas trouvé, ou soit une relation avec quelqu'un doit faire les deuils dans le passé, les Gémeaux. C'est quelque chose à l'homme qu'elle pense, peut-être à une femme, ou soit si vous êtes déjà connu quelqu'un dans le passé, que vous êtes besoin de faire les deuils, prenez. Votre liberté, profitez votre bonheur, malgré vous êtes seul. Et les solitudes, c'est pas un problème pour heureuse. Il y en a beaucoup de gens qui sont seuls, mais vous êtes encore dans le deuil, besoin de faire les deuils par une relation ou un problème dans le couple avec quelqu'un dans le passé ou soit régler un problème familial. Alors, il y a beaucoup de.
Vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de jeux qui parlent, beaucoup les jeux qui sont les conflits peut-être avec les autres, le conflit, votre entourage, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de sentir les culpabilités. Vous êtes peut-être avec les jeux qui parlent beaucoup, soit beaucoup le ragot, ou parlent derrière votre dos, il y a beaucoup de jeux qui critiquent, ou soit vous êtes senti. Les conflits avec votre entourage, ou soit dans le travail, ou soit il y a quelqu'un qui parle beaucoup, il besoin peut-être éloigner de ces gens, éloigner cette conflit, besoin sentir libre dans cette relation négative pour vous. Besoin prendre un nouvel choix, un choix peut-être choisir un nouvel métier, nouvelle relation, nouvelles amis, peut-être sortir un conflit avec votre entourage. Besoin prendre de nouvelles directions, peut-être quitter une relation avec les amis et qui beaucoup de ragots, beaucoup de les critiques, ou soit vous êtes avec une relation négative, il y a beaucoup de gens qui parlent derrière votre dos, vous êtes besoin choisir quitter cette relation, ou soit vous êtes besoin éloigner de beaucoup les gens qui parlent, ou le média, ou soit les gens qui sont négatifs. Si vous êtes un homme, besoin peut-être éloigner des autres, prendre une nouvelle direction, choisir une nouvelle direction, choisir de nouvelles amies, ou peut-être libérez-vous cette énergie négative avec les amis qui parlent beaucoup, qui sont éloignés. Alors, déjà, il y a un obstacle, les gens qui sont en vue de voyager ou partir, les voyages, les jumeaux, il y a un obstacle. Alors, si vous êtes envie peut-être partir voyage, c'était un obstacle, c'était les choses bloquées pour vous. Les gens qui veulent déménager, quel temps d'un déménagement, vous recevez une nouvelle, peut-être une nouvelle, une bonne nouvelle, quelque chose, une nouvelle maison, une maison peut-être l'autre ville ou l'étranger. Si vous voulez partir à l'étranger, c'était bloqué dans le passé, peut-être à cause d'un crédit qui vous est demandé, qui vous tendez par la banque, il donne nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Soit si vous êtes voulez partir à l'étranger, c'est possible acheter une maison à l'étranger. C'était bloqué à cause d'un crédit ou à cause d'un prêt, ou soit un blocage pour les gens qui veulent partir à l'étranger. Si vous êtes une femme, c'est vous, le féminin. Gémeaux qui veulent peut-être acheter une maison, qu'elle tombe dans un crédit, qu'il était bloqué, ou soit pour déménager l'étranger, ou soit acheter une maison à l'autre ville. Alors, les messages là, c'est beaucoup de chance pour une entreprise, pour une entreprise dans votre compte, si vous voulez faire quelque chose. Il y a un changement, peut-être changer quelque chose dans votre entreprise. Il y a même une nouvelle, peut-être un contrat pour faire une entreprise ou un commerce ou quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous trouvez une stabilité, une chance, peut-être l'harmonie, un espoir, une vue réalisée que vous êtes souhaité. Trouver l'harmonie, peut-être vous tendez à quelque chose. Par l'harmonie, votre projet, c'était un projet peut-être travailler à peut-être dans votre compte, c'est quelque chose dans le soir, ou c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous quittez une entreprise pour faire quelque chose dans votre compte, et une chance pour vous. Il y a beaucoup de l'harmonie, il y a beaucoup de chance de ce projet, faire une nouvelle entreprise, ou soit un changement dans votre entreprise, quelque chose qu'elle était peut-être dans le passé, qu'elle était bloquée peut-être à cause de la santé ou à cause les sanitaires, ça va démarrer, il y a une chance pour vous, ce projet. Alors, les masques, les critiques, les mauvaises langues, les gens qui parlent beaucoup dans votre travail, qui doivent faire attention avec les gens malhonnêtes. Dans votre travail, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de les gens qu'ils critiquent, les gens qu'ils portent les masques, les gens qu'ils cachent,
la vérité, peut-être pour vous voiler à une personne dans votre entourage professionnel, qu'elle dit beaucoup de mensonges, soit vous, soit quelqu'un qui critique beaucoup, ou soit une personne jalouse de vous. Alors, si vous êtes dans votre travail, vous êtes une personne beaucoup le métier, vous êtes peut-être avec un ami, vous êtes peut-être avec un ami fidèle dans le travail. Il y a une personne dans votre lieu de travail qu'il critique beaucoup, qu'elle porte les masques, quelqu'un est malhonnête, qu'elle ne dit pas les choses en face, qu'elle dit derrière vous, parce que vous êtes une personne fidèle ou une personne gentille. Vous êtes un métier avec quelqu'un dans votre travail. Il y a une personne qui est jalouse dans votre relation avec cet ami, soit un ami proche de vous, un collègue qui vous tendez bien avec cette personne. Il y a une personne qui critique beaucoup, qu'elle dit les choses derrière votre dos. Vous voilez le visage de cette personne qui est jalouse de vous. Et vous êtes rencontré à un bon métier avec quelqu'un professionnel. Vous êtes vraiment fidèle à une personne fidèle. Si il y a une personne qui est peut-être malhonnête dans votre travail parce qu'elle voit vous êtes bien avec cette personne, peut-être elle est jalouse de vous. Alors méfiez-vous, les amis, parfois. Parfois, ça cache les vrais visages. Il y a un changement de ville, il y a un changement d'entreprise, la fin à une situation, il y a une bonne nouvelle, un changement, beaucoup de gens qui sont peut-être un nouvel métier, une nouvelle relation, une nouvelle entreprise, il y a une stabilité. Vous quittez un travail dans le passé qui vous êtes resté longtemps, quittez une situation ou une ville. Une ville ou un appartement, peut-être vous changez appartement, changez entreprise et il y a un succès pour nouvel travail et pour trouver nouvelle entreprise, nouvel métier, nouvel collègue de travail, nouvel contact social. Il y a beaucoup de réussite, il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour les changements. C'est positif. Si vous changez l'entreprise à une entreprise que vous êtes longtemps resté, il y a une bonne nouvelle, il y a un nouvel contact avec l'Internet ou soit un commerce que vous faites avec l'Internet, ça va démarrer pour vous quitter un travail que vous êtes longtemps. Alors, les relations, ici, il y a une rupture avec une relation sentimentale, peut-être une rupture radicale à une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Peut-être cette rupture, c'est quelqu'un honnête, peut-être il n'a pas envie éloigné de vous, mais c'était quelque chose qui vous tendait pas, qui l'a éloigné beaucoup de temps, qui vous tendait cette personne qui retourne. Et pour moi, cette personne qui retourne est quelqu'un qui est amoureuse de vous. Cette rupture peut être temporaire ou soit ça va pas durer longtemps si vous êtes en rupture avec quelqu'un déjà dans le passé. Pour moi, il y a quelqu'un qui retourne, quelqu'un qui est amoureuse de vous. Il y a quelqu'un honnête et c'est sincère, cette personne. Et pourquoi vous êtes séparé cette personne? Peut-être il y a une difficulté, communication pas claire avec cette personne. Besoin peut-être le contact ou soit un rendez-vous avec cette personne, clairer les choses que vous n'êtes pas parlé, peut-être avec parler honnêtement avec cette personne. Voilà, c'est le tirage de. Et les solitudes, ça sortait les solitudes. Peut-être beaucoup les gens qui sont tristes parce qu'ils sont seuls, ou qui sont beaucoup l'année seuls, ou qui sont peut-être arrivés pas à séparer avec une personne de passé, ou qui sont arrivés pas à faire le deuil dans une relation de passé, qui sont besoin de profiter même la solitude, et besoin peut-être à maîtriser dans votre vie, besoin peut-être le calme. Réfléchir dans votre vie et besoin d'éloigner de problèmes ou besoin de tourner les pages par le passé. Essayez d'écouter votre cœur, votre intuition, qu'elle voit, vous êtes les bons chemins. C'est cette solitude que vous êtes besoin d'apprendre, les solitudes, profiter aussi
la solitude, même vous êtes seul. Beaucoup de gens qui n'arrivent pas à vivre seul, mais la solitude, c'est parfois c'est bien rester seul pour réfléchir qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qui doit changer dans votre vie. Et cette solitude, c'est pour vous apprendre beaucoup de choses et écouter votre voix intérieure, qu'est-ce qu'ils veulent dire, parce que vous êtes trop dans la tristesse ou dans la négativité, n'arrivez pas à prendre les bonnes directions ou bonnes décisions. Si vous êtes rupture ou soit un problème familial, doit peut-être régler ce problème et pas rester triste seul. Il besoin parler, dialoguer et communiquer. Si vous êtes un problème avec une mère, votre mère ou soit une femme générale, besoin peut-être régler ce problème qui est longtemps, vous n'êtes pas communiquer ou dialoguer, vous êtes éloigné et besoin peut-être exprimer les douleurs pour vous. Pensez la face à sortir l'amour, rupture. Si vous êtes à une rupture avec une amoureuse, une femme, peut-être il y a un dialogue besoin, parler honnêtement, légèrement. Voilà, c'est votre tirage. Merci beaucoup, votre soutien. Si vous aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Likez pour plus circuler cette vidéo. Si vous l'aimez, laissez un message. Si vous avez besoin de quelque chose, mais laissez un message ou un commentaire. Merci beaucoup les gens qui sont toujours qui laissent un bon commentaire. Ça me fait vraiment plaisir d'attendre les gens qui sont content qu'est-ce que j'ai fait. Merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Au revoir, mes amis. À bientôt.